peux confirmer qu'il y a beaucoup de femmes impliquées à des postes de responsabilité très fortes chez Facebook, chez Google, et puis dans la net économie, à la tête de start-up ou d'entreprises confirmées. C'était d'ailleurs assez impressionnant de voir la richesse des expériences et des compétences des femmes qui étaient là à midi. L'Internet favorise plus la mixité que les autres formes de business. Parce qu'il y a cette intermédiation qui fait que le genre est moins une question que ça ne peut l'être dans une rencontre physique. Donc c'est par construction plutôt favorable aux femmes. Après, sans doute pour se lancer dans le web, il faut des modèles féminins. C'est ça, comme dans toutes les entreprises, on manque d'images un peu charismatiques auxquelles se raccrocher, sur lesquelles on peut se projeter, qui font qu'on se dit, bah, si elle y est arrivée, elle a l'air normale, entre guillemets, elle me parle simplement, bah, moi aussi je peux y arriver. Est-ce que l'e-commerce est social? Oui, évidemment, parce qu'aujourd'hui, on n'achète plus seul. On achète selon la recommandation de ses amis et les sites e-commerce doivent en tenir compte. Est-ce que l'e-commerce est local? Je dirais qu'il est quand même plutôt tout le contraire, il est universel. Hein. Mon aire de jeu a changé avec Internet. Alors je dirais non. Et est-ce qu'il est mobile? Absolument. Absolument. Dans moins de 3 ans, le principal canal d'accès aux clients, ce sera le mobile. Donc il faut s'y préparer aujourd'hui. Alors quand on parle de social, local et mobile, on dit vraiment, plutôt que rapport au temps, on dit rapport à l'endroit. Je dirais que c'est l'accès à l'ubiquité. Alors c'est un grand mot, mais c'est la possibilité finalement d'être là où on veut, au moment où on veut. Ce qu'on ne réalise pas toujours. Hein. On a l'impression qu'on pousse l'instantanéité des choses. Dans la réalité, cela permet de revoir des informations, de les confronter à son environnement immédiat. Et donc je pense que c'est une nouvelle dimension dans les vies de chacun qu'on est en train d'ouvrir en ce moment. En fait, le challenge est plus dans une transformation culturelle plutôt qu'une technologie. Alors bien sûr, les sociétés sont aujourd'hui sur Facebook et sur Twitter, mais ça suffit pas. C'est comment est-ce qu'on va se transformer toutes les entités d'une entreprise, non seulement marketing, mais HR, sales, etc., qui vont vraiment implémenter social, qui va être au cœur de la stratégie. Il y a une communauté assez simple qui peut se créer, c'est celle précisément des femmes ou entrepreneurs ou à des positions importantes dans les entreprises qui à la fois peuvent aider des femmes plus jeunes, comme ça a été le cas autour de la table. Il y a des femmes qui s'investissent beaucoup dans le coaching de jeunes femmes entrepreneurs pour les aider à monter leur boîte, donc avoir ce souci de transmission qu'on a quand même en partage, et puis aussi le fait de pouvoir s'entraider entre nous, de pouvoir partager des expériences, poser un peu le sac, comme je dis, quoi. Parce qu'entre femmes, d'une certaine manière, on a une facilité à parler de choses, de passer de la vie privée à la vie professionnelle qui est extrêmement importante.